Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau tour de cartes avec un jeu de 52 cartes. Dans un premier temps, le jeu est mélangé. Sinon, comme je dis souvent, c'est pas drôle. Donc le jeu est mélangé, bien mélangé, même recoupé. Et on demande normalement à un spectateur de choisir un nombre. Comme j'ai pas de spectateur, on va servir des dés et laisser faire le hasard. Donc le hasard va décider quelle carte nous allons choisir. 5 et 1. 6, donc on va prendre la sixième carte. Si ça aurait été 8, 10, 12, peu importe. C'est 6, et c'est le hasard, on laisse faire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ne regarde pas la carte, pourquoi? Normalement, le spectateur la regarde et la mémorise, etc. Mais comme je n'ai pas de spectateur, et pour être sûr de la retrouver, parce que je vais devoir la retrouver face visible, on va lui coller une petite gommette. Et on la replace sur le jeu. On referme tout, on coupe le jeu. Et là, on va mélanger le jeu, mais bien mélangé. Donc le jeu est mélangé, plus que bien mélangé. Le jeu est mélangé, le jeu est recoupé, le jeu est encore mélangé. Comme vous pouvez le constater, je vais vous le montrer, le jeu est vraiment mélangé. Aucune ambiguïté là-dessus. Le jeu est mélangé, le jeu est même recoupé. Et maintenant, à moi de retrouver la carte face visible sans la connaître, après avoir mélangé et jamais vu les faces. Donc c'est parti, attention, j'étale le jeu et je vais essayer de retrouver la carte. Je pense que le spectateur a tout simplement choisi un as et pas n'importe lequel, l'as de carreau. On va regarder, as de carreau dans un jeu ordinaire, complet, comme vous pouvez le constater. J'espère que ce tour vous a plu, franchement j'adore. Simple, rapide, efficace. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.